Savoir-faire, coopération, Made in France. C'est personnalisé, multicritère, en s'appuyant sur des ONG. C'est une école sociale et inclusive qui fait du numérique un révélateur de talents. C'est le mouvement, c'est la rééducation, c'est l'espoir pour les patients en difficulté. Ce sont des capteurs qui mesurent une distance, une profondeur et un volume. Dispositif microfluidique pour les neurosciences. C'était très sympa et j'ai eu chaud. Sans temps mort. Énergisant, ça donne la pêche. La reconnaissance de beaux projets d'innovation. Oui, Bruno Rousset, à travers son parcours, qui est à la fois dans justement l'innovation, mais aussi le côté humain. Gérard Kélian, ouvrier de la chaussure à 16 ans, qui a construit l'usine Stéphane Kélian et qui a été d'une aide incroyable pour notre petite aventure. Tous les gens qui œuvrent dans la difficulté pour des projets qui ont du sens au plan humain. L'espoir aux patients. Aux jeunes. Aux patients en difficulté de rééducation sur le mouvement. Elle apporte du sens aux gens qui travaillent dans la mobilité électrique et tout particulièrement le véhicule électrique. On permet que ce soit plus facile de faire un petit pas pour changer les choses. Ce sont essentiellement des innovations qui peuvent servir aux ce qu'on appelle des bâtiments intelligents. Un espoir nouveau à Romans. Je me vois un peu partout dans le monde. MyLabel, demain, ce sera un outil pour faire levier sur les entreprises et leur permettre de faire évoluer leur offre et leurs pratiques. Nous sommes très connus à l'étranger et un peu moins en France, mais nous voulons surtout se développer en France. L'espoir du futur. Netri demain, c'est une licorne française dans les maladies neurologiques.